Bon, bon, bon. Il y a une pandémie. Qu'est-ce qu'on fait avec nos enfants? Devrais-je faire l'école à la maison? Toi, maman, est-ce que tu es une maman qui, normalement, s'en va à l'extérieur travailler et qui, aujourd'hui, est confinée dans ta maison avec ton ou tes enfants et des questionnements et des inquiétudes? Est-ce que je devrais les envoyer chez grand-maman, faire l'école à la maison, retourner à mon travail? Est-ce que je devrais l'envoyer jouer dehors? Est-ce que je devrais le garder à l'intérieur? M'en occuper plus et passer moins de temps sur mon ordinateur? Mon télétravail, c'est important. On est tous pareils, mesdames. De quelle manière cette pandémie va les affecter? Bon, premièrement, je vais me présenter. C'est qui elle? Je m'appelle Sabrina, j'en suis à ma deuxième année d'école à la maison. J'ai une petite fille de 4 ans, un petit garçon qui est en deuxième année et une grande fille qui est en troisième année. Assez parlé de moi. Je veux parler dans cette vidéo de l'aspect académique. Parce que j'ai entendu quand même plusieurs mamans de moyennement à très inquiètes de ce qui va se passer avec les écoles pour leurs enfants. Est-ce que mon enfant, je devrais lui faire l'école à la maison parce que sinon il va tout perdre ce qu'il a appris? L'année prochaine, il va être en retard. Là, il verra pas ses amis. Est-ce que je devrais contacter les amis? Ah ben non, on peut pas, c'est la pandémie. Donc oui, il y a beaucoup d'inquiétudes. Mais, côté scolaire, nos jeunes enfants garderont-ils un traumatisme du 2 mois probable? Parce que là, on est en 2 semaines de congé, mais on se doute tous que ça risque d'être un peu plus long. Peut-être que l'année scolaire est terminée. Ça se peut. Est-ce que ces enfants-là vont vraiment être traumatisés de ça à l'âge adulte? Parce que tu sais, je comprends, là, il y a des athlètes olympiques en ce moment qui ont travaillé toute leur vie et qui risquent de ne pas pouvoir faire leurs Jeux olympiques. Ça, tu peux comme t'empêcher de dormir la nuit, là, à t'inquiéter, à savoir qu'est-ce qui va se passer avec ta carrière. Mais nos enfants du primaire, même s'il leur manque 2 mois là, de mettre un S à la fin d'un pluriel, là, même si leur lecture est pas parfaite, si leur niveau d'anglais n'est pas au même rythme que les autres petits amis de leur classe, c'est si grave que ça? Ces enfants-là, généralement, sont plutôt contents. Ceux qui vont en garder un mauvais souvenir, ça va être ceux dont l'ambiance familiale va avoir été beaucoup affectée. Un papa, une maman qui sont très inquiets, qui en parlent beaucoup et dont l'enfant en est très conscient. Je dis pas que c'est facile, je sais qu'il y en a que c'est vraiment pas drôle, mais si vous êtes dans cette situation-là, moi je vous encouragerais le plus possible à ce que votre enfant s'en rende le moins compte possible. Pour lui, c'est juste un congé, puis à la limite, c'est vraiment trippant, là. Mais ceci étant dit, si vous êtes à la maison, et que vous avez un intérêt à faire l'école à la maison parce que vous avez un peu de temps pour ça, chose que vous n'aviez pas avant, ben moi je vous dis go! C'est génial! Vos enfants vont juste en bénéficier, tant mieux pour eux! Mais s'ils peuvent pas, ce n'est pas grave! C'est pas grave! Ce n'est pas grave! Ma petite qui me regarde par la fenêtre parce que ça ne tente pas de jouer dehors. Ben oui, je les force à jouer dehors. Minimum 1 heure au moins, là. Minimum 1 heure. Va-t'en jouer! Ah, ils sont 3 dehors, là. Ferais-moi pas croire que je suis cruelle de, comme ça, de les envoyer jouer dans la neige. C'est super beau! Bon! Donc moi, ce que je vous propose, dans mon prochain vidéo, si celui-là fonctionne bien, si j'ai une bonne réponse des gens, je vais faire une autre vidéo pour vous expliquer un petit peu chez nous comment on fonctionne pour l'école à la maison, puis vous montrer que c'est pas sorcier, là. C'est pas vrai que t'as besoin d'un diplôme de professeur pour faire l'école à la maison à tes propres enfants. Je vais peut-être pouvoir vous donner un petit peu des ressources ou aller trouver des exercices ou des jeux ou des applications ou des choses comme ça. Fait qu'on s'en reparle peut-être dans une prochaine vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse. Mettez des commentaires en dessous ici. Pèsez aussi sur le petit bouton le subscribe. En fait, s'il y a du monde qui subscribe, j'imagine que ça veut dire que vous voulez être alerté quand je vais faire une autre vidéo. Donc, s'il y a beaucoup de subscribers, je vais probablement continuer. Ça va voir s'il y a une belle réponse et puis si ça rejoint des gens. Sur ça, je vous dis bonne journée, puis lavez-vous les mains. Bye.